Et salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Summer in Mara. Dans l'épisode précédent, on avait couru un petit peu partout et on est allé sur l'autre île. Et on avait quitté dans l'épisode 2, on devait donc parler aux habitants, acheter les ingrédients au marché que nous a demandé Braham, trouver les crabes postaux qui nous manquent. Et on doit aussi trouver deux coquillages assez spécifiques qu'on n'a pas trouvé et un roman. Donc on va voir si on peut trouver ça dans cet épisode. Essayer de revendre des choses pour pouvoir dormir à l'hôtel récupéré. Parce que dormir dans le bateau, on récupère pas beaucoup et elle est très vite fatiguée. Donc on va voir ça tout de suite. C'est parti. Au passage, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Voilà. Allez, on est parti. Le petit temps de téléchargement habituel. Voilà. Le petit bateau. Il va falloir là aussi que je retrouve mes touches. Alors. Il semblait que je joue à la manette, mais apparemment non. Bon, ok. Alors. Donc là, on a l'inventaire. Que je me rappelle. Hein. Donc, hop, hop, hop. D'accord, ici, on a 82 sous, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, faut qu'on parle aux habitants. Il y a Anzo aussi à qui on doit parler. On doit parler à Semi, mais elle veut pas nous ouvrir le phare. Et Degan, on l'a pas vu. Donc, parler aux habitants, ça c'est les quêtes qu'on a à faire. Parler aux habitants de Calice et trouve une solution pour que Semi ouvre sa porte, donc la vieille dame du phare. Acheter les ingrédients nécessaires pour le nouveau plat de Braham. Alors, c'est quoi qu'il faut acheter? Deux patates, une pieuvre et deux oignons. Mais on n'a pas de sous. Oh là là. Et trouver 5 crabes postaux pour pouvoir lire leurs lettres perdues. Ok. Ah si, on l'avait fait dormir deux fois dans le bateau et ça avait marché. Ça y est, ça me revient. Alors par contre, elle a un petit peu faim. On va lui faire manger une carotte. Puis une autre. Histoire qu'elle soit à fond. Voilà. Hop. Alors, on va voir si on peut vendre des choses en bas, là. Je ne sais plus comment je la fais sprinter. Voilà. Hop. On peut vendre des choses ici. De 10h à 16h. Évidemment. Ben, t'es ouvert là normalement. Qu'est-ce que tu me dis? Ah, on peut. Que faire du commerce. Alors. Qu'est-ce qu'il vend? Qu'est-ce qu'il vend? Des masques de plongée. Une miniature de bateau. Ok, mais je peux pas lui vendre des choses. Acheter, mais est-ce que je peux vendre? À rentrer. Va-t'en quoi? Tu me fais perdre l'argent en restant planté là. Alors, comment je fais pour vendre? Parce que moi, je voudrais vendre. Magasin, annuler, acheter. Non. Je peux pas aller dans mon inventaire. Je ne sais pas. Bon. Là, il y a un asticot, on va le prendre. Hop. Voilà.
Alors, eux. Fermé pour cause de maladie. Oh, vous m'embêtez, j'espère qu'ils vont vite se rétablir. Écoutez, on va aller voir sur la plage. Bon, toi, je crois que je t'ai lu déjà, non? Non, peut-être pas. Hop. Donc, comme on avait vu, ça peut être traduit dans différentes langues. Ok. Après, je pense que je t'avais vu, toi. Ici. Je vois pas de coquillage. Hein. Je suis nulle à la pêche. Bon, il y en a un là, mais c'est pas un de ceux qu'il nous faut. Est-ce que je peux continuer? Ah. Des déchets. Mais alors ça, par contre, j'ai toujours pas trouvé comment les recycle. Alors, il y a un coquillage ici. On a un crabe ici. Hop. C'est lui qui essaye de me bouffer les pieds. Un coquillage là. Bouteille d'eau. Ici, il y a un minerai, mais est-ce qu'on peut le casser? Je crois pas. Si, peut-être. Ok. On va reprendre notre petite main. Alors c'est vrai qu'on ne se voit pas sur la map, c'est dommage ça. J'espère que les devs vont faire quelque chose pour qu'on puisse voir à quel niveau on est sur la map. Donc je serai... ouais. Elle est déjà fatiguée. Voilà, une grande maison. Pas de vendeur, pas d'intrus. D'accord, c'est mal poli. Ok. Alors, il y a le feu de camp là-bas. Au niveau de la map. Je serais... En fait, ce serait ça. Onzo serait là. Voilà, il y a la petite mare, on va aller voir. Je trouve pas Onzo. Peut-être après. Il faut éviter que je sprinte trop parce que ça la fatigue beaucoup plus vite. Alors on a la petite mare ici. On peut pêcher. On a le monsieur là. Tu viens de nourrir tous les poissons. D'accord. D'accord, 18h30 déjà. La journée, elle passe super vite, quoi, en fait. Ici, qu'est-ce qu'on a? Feu de camp. On s'est pris une soupe. Ici, on va le casser. Il me faut un meilleur marteau. Est-ce que l'autre ne va pas? Il faut qu'on ait un marteau un petit peu plus élevé. Donc c'est pas pour tout de suite. Hein. Ici on a quoi? On a des murs. Hop.
Donc par rapport à la map, vu que je suis là, la grande maison doit être celle de Honzo, hein. Ok. On va aller voir là-haut. Là, je vois rien. Où are you? Ah, mais c'est ma petite copine. D'accord. Ah, ça, on peut se remettre de l'essence pour le réservoir. C'est cool ça. Ok. D'accord. Tu n'as rien à me dire. Donc, tu ne m'aides pas du tout. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Elle m'aide pas du tout. Napopo. La popo ne m'aide pas, elle est contente, c'est tout ce qu'on sait. Alors que nous, on va tomber dans les choux dans pas longtemps. Le crabe, là, on l'a vu, je pense. On en est où de nos crabes là? Hop. Hop. On n'a toujours pas les deux coquillages. Trouve 5 crabes postaux pour pouvoir lire la lettre perdue. Mais je ne sais pas à combien j'en suis. Ok, bon. Coton, non, non, on n'a pas du tout les coquillages qu'il faut. Bon, toi, j'ai dû te voir, mais bon, attends. Hein. Il bouffe les pieds à chaque fois. Hop. Pour le bien, ce serait qu'on aille dormir à l'hôtel, mais c'est cher. Et j'ai toujours pas trouvé les coquillages. Hein. Il y en a qui squattent carrément la plage. Ils sont tous à dormir sur la plage. Pourquoi pas? Bon, lui, je l'ai vu, le crabe là. On a une caisse ici. On peut pas la casser, celle-là. Quoi être épuisé, je sais bien, mais aïe. Elle va me tomber dans les choux. Voilà, je crois que c'est 30 hein, pour qu'elle dorme. Ouais, on va la faire dormir ici. Tant pis, 40, la vache. C'est très cher. C'est un hôtel de luxe. Alors, on va lui faire manger la soupe là. Hop. Comme ça, on est full. Ben, on va aller au marché. Alors, cul. Oui, mais moi, je voudrais vendre. Alors, il me faut un poulpe. 96, mais j'ai pas assez. Tu n'as pas d'objet, tu n'as pas cet objet dans ton inventaire. Non, mais je veux vendre. Ah, ben voilà. Alors, on va te vendre. C'est quoi ça, des herbes?
Les 10 coquillages, on en garde un. Hop. On va lui donner des herbes. On s'en garde 10. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a 249, c'est déjà pas mal. Donc, il nous faut, monsieur, un poulpe, s'il vous plaît. Donc, hop. Acheter. Qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre pour la quête de Bram? Un poulpe, deux patates et deux oignons. Alors, est-ce que tu vends toi ça? Deux patates, deux oignons. Ah, par contre, j'ai les deux coquillages là. Un, deux. Ah, je passais dessous. Ah. Qu'est-ce qu'on peut lui vendre? On peut lui vendre de la résine. Hein. On peut lui vendre du cuivre. Oh ben, on peut lui vendre de la pierre, ça on en a beaucoup. Lui vendre ce coquillage, on, peut, on va lui vendre le coquillage, le bois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Garder le reste, vendre. Donc toi tu vends que des poissons. Donc madame, est-ce que vous vendez des patates et des oignons? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, qui c'est qui peut vendre des patates et des oignons? Vous, madame, peut-être? Je veux que je pouvais casser ça. Ouais. Non, je peux pas casser ça. Est-ce que c'est vous, madame, qui vendez des tomates et des oignons? Des patates et des oignons. Il va falloir que je fasse pousser les patates à tous les coups. Graines de poivron, de betterave, de maïs, de laitue, de patates. Bah ouais, va falloir que je vende. Il en faut deux de chaque. Oignon. Ok, donc il faut en fait que je retourne sur l'île pour ça, pour lui planter ses patates et ses oignons. Pas cool. Pas cool, pas cool. Edgen, toc toc toc, on était au marché. La petite place, il serait à gauche. Alors. Là, toujours pour maladie, d'accord. Edgen serait peut-être là. Allons voir. Bonjour. 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 Petite, on ne t'a jamais appris à ne pas déranger les adultes. Bonjour. Je m'appelle Koa. Enchantée, Koa. Mais ne m'importune pas. Vous savez quelque chose sur la dame du phare? Pardon? Je me demandais si vous saviez quelque chose sur la dame du phare. Il me faut des informations, alors je demande aux habitants de l'île.
Ce n'est pas de cette façon que l'on s'adresse à un étranger. Incroyable. C'est terrible. Plus personne ne fait preuve de bonne manière. Pardon, je ne voulais pas vous déranger. Pourtant, tu l'as fait. On ne demande pas les choses de cette façon. Tu dois te présenter et parler poliment avec les autres. Il faut demander comment allez-vous, puis attendre patiemment la réponse. Tu es une sauvage jeune. Bon, je ferais mieux de partir alors. Non, maintenant tu ne bouges plus d'ici. Où sont tes parents? Je n'en ai pas. D'accord, alors nous allons attendre qu'un adulte arrive. Mais vous êtes un adulte, vous, non? Un autre adulte. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Je vous l'ai déjà dit, je cherche des informations au sujet de la Dame de l'île. Bien, je vois que tu commences à retenir la leçon. Qu'aimerais-tu savoir? Je dois lui parler, mais elle m'ignore. À sa décharge, c'est une femme très occupée. Les gens comme elle se font de plus en plus rares. Est-ce que vous pourriez m'apprendre à être poli, s'il vous plaît? N'as-tu pas de parents? Je vous ai déjà dit que non. C'est ma mamie qui m'a élevée. Elle n'a pas fait un très bon travail. Hey! Bon, bon, d'accord. Mais je ne traite pas avec les gens qui ne sont pas des clients de cette banque. Tu vas devoir ouvrir un compte. La compte minimum est de 50 pièces. Waouh! Et où est-ce que je peux trouver 50 pièces, s'il vous plaît? S'il vous plaît, ne s'utilise pas comme ça. Tu peux en obtenir en vendant des choses aux autres marchands, comme au vieux Kidos du port ou au marché. Merci beaucoup, monsieur. Bah, on n'a pas le choix, hein, de toute façon. T'es obligé d'accepter. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui, monsieur? Très bien, et toi, comment vas-tu? Super. Est-ce que j'ai réussi? Quoi donc? Eh bien, à être poli et tout. Oui, c'était très bien. Oh, super. Tenez, voici l'argent pour le compte. Très bien. Est-ce que tu souhaites un compte débiteur ou créditeur? Nous avons un tout nouveau produit au bénéfice incroyable. Hein? J'ai un compte d'investissement qui serait parfait pour toi. Chaque année, la banque prendra 20% de l'argent total déposé et l'investira pour toi. Je veux juste être poli avec la dame, s'il vous plaît. Mais le compte, ça ne m'intéresse pas. Gardez l'argent. D'accord. C'est étrange, mais d'accord. Afin de convaincre cette dame de te laisser entrer, je te recommande de lui faire un salut de la marine. Lequel? Que les vents de Mara vous soient favorables. Waouh! Ma mamie disait toujours ça. Ça devrait fonctionner. Mais je doute qu'elle te laisse passer uniquement parce que tu seras poli. On verra bien. Hop, 50 pièces en moins pour moi en tout cas. Ok, ben on va monter au phare. Peut-être qu'elle va nous laisser passer maintenant, la madame. Faut-il encore que je retrouve le chemin du phare? Là, je ne peux pas passer. Je vais reprendre ma mine. Là que maintenant, elle ne veut plus sprinter. Alors... Ah oui, si j'appuie pas sur le bon bouton, elle va pas sprinter, notre choupinette. Alors, le phare. Ah, et s'il y a des trucs à ramasser... C'est pas que, mais on a besoin de sous aussi. On a du minerai ici. Est-ce que je peux le prendre? Je sais plus. Je sais qu'il y a des minerais qu'on ne peut pas prendre sur cette île tant qu'on n'a pas le marteau avancé. Donc ça, on peut le prendre. Ok. Ici, on peut le prendre. Bon, on a les deux coquillages en tout cas. Si je ne me suis pas trop plantée. Il me faut un meilleur marteau. Voilà, sinon on ne peut pas les prendre. Allez, est-ce qu'elle va nous ouvrir ce coup-ci? Je vais faire un tour autour là. Ah, je peux prendre des fleurs. Il me faut une meilleure binette. Oh. Casse-pied. Il n'y a rien autour là qu'on pourrait... Ah, il y a les abeilles. Prendre. Ok, on a pris du miel.
Est-ce que là on peut prendre les... Est-ce que je peux le briser ça? Non. Et l'autre? Ouais. Ah, il y a des pommes là. J'avais point vu. Il y a des pommes. Ok. On va descendre par là, voir s'il y a quelque chose. Hop. On remontera au phare après. Des murs. Ici. Est-ce qu'on peut casser ça? Je crois que l'homme, non. Hein. C'est un des nouveaux. Ouais, voilà. C'est un des nouveaux minéraux qu'il y a sur l'île. Donc automatiquement non. Alors, si je redescends par là, je vais où? Ici. Ça nous fait des moyens un petit peu d'échange pour avoir des sous-sous, hein, parce que les nuits coûtent cher. De toute façon, il va falloir qu'on retourne sur notre île pour... Ah, elle est crevée. Il va falloir qu'on retourne sur notre île pour planter les patates. Et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est? Oh non, j'en ai acheté, j'en trouve là. Oh. Et les déchets, je ne sais toujours pas comment ça se recycle. Oh, je les ai achetés, ils sont là. Oh, c'est pas grave. Hop. Voilà, les deux coquillages, tant pis, on revendra. On va monter vite, 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 vite la voir si je tombe pas dans les pommes avant. S'il vous plaît, le jeu, ne m'emmenez pas au dodo. Que je puisse parler à la dame du phare. Hop, 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 hop. Oui, oui, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. On y croit fort, on y croit fort. Où est l'entrée? Ici. Conduis-toi bien avec tous les gens de l'île, sinon... Hein? Tu peux me parler? Alors, avant des galettes, la confiture d'orange... J'ai zéro d'argent. Oh, mais non. Thé de l'après-midi, la confiture d'orange et des galettes. Mais elle veut pas me parler. Ah, peut-être parce qu'il fait nuit, c'est plus l'heure. Voyons. Elle veut pas. Bon. Oh, je vais pas avoir le temps. Tant pis, me mettront au lit de force. Et puis on dormira à l'hôtel. Hop. J'ai toujours pas trouvé l'autre PNJ. C'est assez embêtant. Ah, on a le. On a une petite flèche verte. Mais on ne peut pas rentrer. J'ai tombé dans les pommes, mais j'ai vu qu'on a la petite flèche verte là. Mais on peut pas rentrer. Pas de vendeur, pas d'intrus. C'est mal poli. Ouais, en fait, le PNJ est là-dedans. Ok. Une chouette. Oh, ils vont me coller au dodo. A été épuisé, je sais bien. J'aime retrouver
Voilà. On va la faire dormir. On va lui faire manger quelque chose, une pomme, pomme délicieuse. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire donc? Donc, Semi ne veut toujours pas. Pourtant, on a parlé à Bram, Nono, Noho. C'est Hanzo qui nous manque à Degan. On lui a parlé. Hein. On va essayer de lui reparler, mais je pense pas que ce soit. Ah, mais il est là. Voilà. Chenapan. J'adore tes oreilles. Merci, petite. Je ne suis pas une petite. Je vois. Tu es une aventurière tout comme moi. Ah, vraiment? Évidemment. Tous les aventuriers sont pieds nus. Parce que rien ne peut nous arrêter. Je m'appelle quoi l'aventurière? Moi, c'est Hanzo l'aventurier chaman. Un chaman? C'est quoi un chat? Eh bien, quelque chose comme moi. Mais en plus petit. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Je parcours le monde pour rassembler un maximum d'informations. J'ai un journal créé par mes ancêtres et je le consulte pour voir si les choses ont changé ou pas. Waouh, c'est impressionnant. Est-ce qu'il parle de moi? Il n'a rien au sujet d'une aventurière humaine. C'est quoi un humain? Tu sais vraiment rien, pas vrai? Je vais t'apprendre tout ce dont tu as besoin. Vas-y, pose-moi n'importe quelle question, je suis sûre d'en trouver la réponse dans mon journal. D'accord. Voyons, j'ai besoin de parler à la dame du phare. Regardons, dame, phare. Ah ah, c'est une dame solitaire qui vit au phare. Il est écrit qu'il est très difficile de lui parler. Elle est très polie, elle n'aime vraiment pas la compagnie des autres et elle adore les cartes. Eh bien, je dois lui parler. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Si elle aime lire, je suis sûre qu'elle aime les romans. Personne ne peut dire non à un roman d'aventure. Alors, je vais te donner ce livre à lui apporter, comme ça tu arriveras peut-être à la convaincre. Vraiment? Merci beaucoup. Ben, de rien. À présent, je serai ton mentor en matière d'aventure. Je te ferai savoir ce dont j'ai besoin. Ah, il m'a donné le roman. Nickel, fais voir ce que tu vends. Alors, qu'est-ce qu'il vend, lui? Des graines de citrouille, des graines de tournesol, un sac de couchage. Ah! Le sac de couchage peut être très intéressant. Ça nous éviterait de dormir à l'hôtel, peut-être. À voir, à voir. Sardines, miel, etc. Bah, je vais lui prendre parce que comme il n'est jamais là, lui. Allez, hop, on achète le sac de couchage. Je peux te vendre quelque chose, moi? Non, apparemment, je ne peux pas. Non, je peux pas rien lui vendre. Ok. On va vendre au marché. Bah, elle. Pili, non? Moi, oui. Alors, qu'est-ce que je peux te vendre? J'ai 20 pierres. Hop. 5, 4, ça c'est le poulpe, donc on se trompe pas. On a deux coquillages. Mince, ça j'ai pas vendu. Va-t'en, mais méchante la madame. Où je suis pipe, où je trouve plus les touches, hein. C'est dingue. Hein. Je suis pipe. En fait, c'est son inventaire à elle. Pini.
si on va à l'autre. Mais non, je veux mon inventaire à moi. Ah, il me nul. Bon, c'est pas grave. Allez, on va donc. On va reparler à la dame du phare. Ça pourra peut-être nous aider. Hop, 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 hop. Maintenant qu'on l'a vu à lui. Ah, un, un. Est-ce qu'ils sont toujours malades? Non, c'est le banquier. Dehors, petit, tu fais peur aux clients. Ok. Oh, ils sont méchants dans cette île. Ils sont pas cool, hein. Hop, 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 hop. On va monter au phare en espérant que ça débloque enfin le fait de pouvoir parler à la vieille dame, hein, la copine de mamie. Et après, on retournera sur notre île, en fonction de ce qu'elle va nous dire. On retournera sur notre île pour la quête de Bram, puisqu'on peut planter, il faut qu'on plante les trucs. C'est beaucoup d'aller-retour. Mais bon, on va voir ce qu'elle nous dit, si elle veut bien nous parler ce coup-ci, hein, c'est pas gagné. Bonjour, pardon de vous déranger. Laissez-moi tranquille, petite. Que les vents de Mara vous soient favorables. Qu'as-tu dit? Que les vents de Mara vous soient favorables. Qui t'a appris ça? Personne. Ce n'est pas beau de mentir, petite. Bon, d'accord. C'est le monsieur de la banque. D'ailleurs, il n'est pas très gentil. Non, il ne l'est pas. Qui es-tu? On peut parler? Enfin. Pourrais-je m'entretenir avec vous? Pourquoi? J'ai un roman qui pourrait vous intéresser. Est-ce un roman d'aventure? J'ai aussi des coquillages. Ils ont intérêt à être jolis. Ce sont les plus beaux de l'île. Très bien, tu peux entrer, mais je ne t'achèterai rien. Ces coquillages sont très beaux, petite. Oui, madame. Je les ai trouvés sur la plage. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, il y avait une lettre dans ma maison. Le nom Seimi était écrit dessus. Ah, vraiment? Voilà qui est intéressant. Est-elle de toi? C'est de ma grand-mère. Je ne connais pas ta grand-mère. Ma grand-mère s'appelle Yaya Aku. Aku. Mais c'est impossible. Bien sûr que si. Mais tu ne peux pas être la petite fille d'Aku. Si, si, je le suis. Regardez, on a les mêmes yeux. Voyons cette lettre. C'est l'écriture de Aku. Évidemment. Regardez mes yeux. Oui, je me souviens de ses yeux. Je me souviens aussi que c'était la personne la plus forte au monde. Hein, et qu'elle n'aimait pas beaucoup rire. Mais voyons, vous ne me croyez pas? Où sont passées tes manières? Pardon. Puis-je te faire confiance? Bien sûr. Tout d'abord, tu dois me prouver que tu es bien la petite fille de Aku. Elle portait toujours une espèce de fleur particulière qui ne pousse que sur son île. Si tu as vécu avec elle, tu sais forcément où la trouver. Tu auras peut-être besoin d'une nouvelle binette. Demande à Caleb de t'aider. Il a un petit potager au port. Rapporte-moi cette fleur. À votre service, madame. Alors, on lui a donné les mollusques et on a obtenu une nouvelle recette pour pouvoir faire un thé. On a obtenu une nouvelle structure, un pot de fleurs. Demande de l'aide à Caleb pour améliorer ta binette, puis apporte la fleur de Yaya Aku à Semi. Donc, on va demander à Caleb. Alors, il est où Caleb? Toc, toc, toc. Notre petit Caleb. Il est où? On a des trucs à vendre, j'arrive pas à vendre, je suis nulle. Hein. Caleb, d'accord, ok, au port. Ok. Et après, on ira planter sur notre île tout ce qu'il faut pour Bram. Et on reviendra donc avec la fleur quand Caleb, à moins qu'on la trouve ici, mais apparemment c'est sur notre île. Donc on en profitera pour chercher la fleur hein, de Yaya. Maintenant, il faut qu'on trouve Caleb qui est au port. Pour une fois qu'on est bien reposé et tout.
Ah là là. Je comprends pas là. Le système de la vente, par contre, est vraiment pas évident. Ou c'est moi qui suis neuneux. J'y arrive un coup, mais jamais deux fois. Donc, je ne sais pas. Alors, Caleb. Caleb, c'est le plus sympa des deux. Est-ce que je peux vendre ici? On va regarder. Parce que vraiment, ça m'intrigue que je trouve pas le bouton pour vendre quand même. Nono, quoi? Comment j'ai fait tout à l'heure? Je ne sais pas. Non, j'y arrive absolument pas. Je sais pas du tout comment j'ai fait tout à l'heure. Quoi? Magasin? Bon, c'est pas grave, on va aller parler Caleb. Salut Caleb, j'ai besoin de votre aide. Il paraît que vous avez un potager et que vous en occupez très bien. Peut-être que vous pourriez me donner une nouvelle binette, la mienne commence à être vieille. Non. Bon, d'accord. Mais je peux t'apprendre à en fabriquer une. Ça serait génial. Faisons un échange. J'ai besoin de laitue et de carottes. Oh la vache. Je pourrais en acheter, mais je ne préfère pas. Vous ne me faites pas confiance aux produits du marché? Non. Prends ces graines. D'accord. Ben, je vais en avoir des trucs à planter. Accepté. Apporte à Calais les légumes dont il a besoin. Ok. Et avec lui, je peux faire du commerce ou pas, parce que ça m'agace. Ah, mais il a des patates, lui. Une, deux et deux oignons. Je peux pas, j'ai pas les sous. Ah, mais comment je fais pour vendre? C'est pénible. Q. Je suis pas plus neuneu que. J'arrive pas à retrouver comment j'ai fait tout à l'heure pour faire du commerce, hein. Est-ce que j'ai ça dans les contrôles? Déplacer le personnage, déplacer la caméra, changer d'outil, courir, sauter, inventaire, quête, accepter, annuler. Non, j'ai pas du tout. On va essayer tous les boutons. Hein. Q. Donc la molette, ça marche pas. Clic gauche. Non plus. Allez, je clique droit, je quitte. Les flèches, ça ne fait rien. Comment j'ai fait tout à l'heure? Franchement, c'est. Ou alors, on ne peut pas faire de commerce tout le temps? C'est bizarre. Ah, oh, mais s'il a tout ce que je veux, je voudrais vendre. Pourtant, j'ai l'argent, hein. Acheter. Voilà, ben, on peut aller rendre à Abraham. On peut aller rendre à Abraham sa quête. Hein. On a le poulpe, on a tout. Par contre, on n'a toujours pas les crabes. Hein. Enfin, on n'a pas tous les crabes. Bram. Ce n'était pas si compliqué que ça. Merci beaucoup, Koa. Voyons comment mon oncle va le prendre. Brrr. Oignon, pieuvre, patate. En plus, c'était qu'un. D'accord. Viens quand tu voudras goûter à mes plats. Ok. Ok. Donc, voyons voir. Alors. On va manger une pomme. J'ai des choses à vendre, hein, mais je n'arrive pas à. Pièce 90. Du fil. Alors, demande de l'aide à Caleb pour améliorer ta binette, puis apporte la fleur de. Apporte à Caleb les légumes dont il a besoin. Donc, faut qu'on revienne sur notre île.
Ok. Eh bien, ce qu'on va faire, on a rendu la quête, on va reprendre le bateau. Et on a fini les crabes. Hein? On a fini les crabes. Bah ouais. Ouais. On a fait les 5 crabes, on les a trouvés en fait. Ok, d'accord. Ok. Donc il faut vraiment qu'on reparte sur notre petite île de l'autre côté. Il veut toujours pas m'aider. Et là, je peux toujours pas vendre. Ça m'agace, ça. Hein. C'est fermé. On verra uniquement de 10h à 17h. Aïe, aïe, aïe. Et Caleb, il veut pas m'aider. Et lui, est-ce que je peux faire du commerce avec toi? Non, toi, je peux juste parler. J'ai lu les 5 lettres. Il n'y avait rien d'important. Ces crabes, c'était vraiment perdu. Je te l'avais dit. Heureusement, il y a quelques années de ça, j'ai adapté ma boutique pour qu'elle serve de poste. Continue de chercher les crabes postaux au cas où ils transportent quelque chose d'important. En échange, je vais te donner une ligne de pêche de bonne qualité. Non, mais là, ce que je voulais, c'était pas une ligne de pêche, c'était... voilà, c'est Caleb qui veut pas m'aider, le méchant. Eux. S'il te plaît, fais vite. Ah, bah, tu es gentil, Caleb, d'habitude. Pourquoi tu me fais ça? Alors, comment je fais ce fameux commerce? J'ai trouvé tout à l'heure, c'est fou, hein. Non, si je fais ça, je quitte. Non. Non, non. Je ne vois pas là. Caleb, quoi? Ah, j'ai beau essayer de cliquer. Ah! Voilà. Alors, on va lui vendre ah, du métal. Hein. Il est content avec du métal. On va s'en garder. On va de la pierre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait l'intéresser? Du cuivre. On va lui vendre deux. J'ai trouvé, wow, je savais quand même. 1, 2. Voilà, on a tout ça à planter. Donc on va vendre. Donc il faut faire double clic en fait avec le clic gauche. Eh bien on va monter dans notre bateau. Et on va retourner sur notre île. Ah non, mais non, 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 non. Ah, on peut se téléporter, mais non. Haute mer. Allez. L'île du foyer. Hop, toujours aussi doué, hein. Avec les. Hop. Bah, apparemment, il se met tout seul le bateau, c'est quoi? Ok. On quitte le bateau. J'ai vu un petit crabe là, il était pas tout à l'heure. Enfin, quand on est parti, on n'avait pas de crabe sur notre île. Hop, est-ce qu'elle est revenue avec nous? Oui, elle est là. Ok. J'ai vu un petit crabe là. Coquillage. On n'est pas fatigué, autant en profiter. Qu'est-ce que tu es, toi? Rien du tout, en rien du tout. Il a voulu me croquer la patte? Non. Alors, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Non, tu es heureuse, c'est tout. Ok. Donc, on va planter ce qu'on a à planter. Donc, on va prendre la binette. Alors, ne nous trompons pas. Alors, on doit planter. Qu'est-ce qu'on a en quête? Ne nous trompons pas. Alors, Caleb. De la laitue. De la laitue. Graines de laitue. Plantées. D'accord, ça m'a planté la carotte. C'est cool. C'est pas ça que je voulais.
E. Planter la graine de laitue. Ensuite, ici, bah écoutez, on a acheté, hein, on va les planter. Hein. Ok, et patate. Alors, on va reprendre notre petite main pour arroser, en espérant qu'il y ait de l'eau. Oui. Hop. Voilà. Que le rond fasse bien le tour. Hop. Ça se fait tout seul. Il suffit de juste de se mettre devant et puis ça se remplit tout seul. Ok. Donc ça, c'est arrosé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle recette disponible? On a eu quelque chose. Ok. Corps de fil. D'accord. L'atelier. Du thé. On a une nouvelle recette. Ah, j'ai vendu les herbes. C'est pas grave, on en trouve partout. La cuisine. Une recette disponible. Et pourtant, ils nous avaient bien donné une... Dans l'atelier. Pour faire une meilleure canne à pêche. On va faire une corde, je ne sais pas si c'est ça qu'il fallait faire, mais bon, corde, fil, on en a. C'est bizarre. Outils, normalement, on avait, il nous avait donné pour faire une meilleure canne à pêche. Ah, c'est le flotteur que j'ai pas en résine. Il me faut du bois. Alors, comme je ne suis pas fatiguée, je vais aller couper un petit arbre par là. Hop, ici. Allez. Quoi? Hop. Donc, on va reprendre notre mimine. Donc dans l'outil, alors est-ce que là, maintenant on peut se faire donc le flotteur. Et est-ce que là... apparemment... Non. Dans l'atelier... En outils, il n'y a rien. L'atelier, il n'y a rien. En cuisine, on a le thé. La nouvelle recette du thé. Pour ça, il nous faut du lait, des petites herbes qu'on ramasse partout et du sucre. Et, ben non. Non, non. J'ai quatre bouchons. Oh la vache. Alors, au niveau des quêtes... Demander de la canette pour améliorer ta binette. Donc, il nous donnera pour améliorer la binette plus tard. Demande de la dakala, ouais, pour la fleur de Yaya. Donc, non, là, il y a juste à attendre, vraiment, c'est dommage. Il y a juste à attendre qu'on soit fatigué. Bon, on commence à l'être. Des murs. Les oranges ont pas repoussé, quoi, est épuisé. Ah, ils me mettent au plus mal. Ah. Oh, elle a pas dormi. On peut pas la faire dormir. Ici, il faut arroser. Avant qu'elle me tombe encore dans la carotte. Laitue, oignon et des patates.
On va la faire dormir. Je viens de vous arroser, quoi. Faut pas abuser. Oh, ça pousse bien. Oh là, les patates, hein, elles ont bien, bien, bien poussé. Les oignons, hein, c'est un petit peu plus long, apparemment. Alors, on va manger quelque chose. On a dormi, on va se manger le bonbon. Ah, on va voir ce que ça donne. Ouais, bon, c'est pas génial. Je mangeais une carotte. Non, on est nickel. Est-ce que ça, on peut... Si je mets la binette... Pour la laitue, c'est bon. Quand le rond est complètement bleu, en fait, on peut... Il y a marqué semer des graines, mais en fait, en appuyant sur eux, on récolte. Oui, les oignons, par contre, on va pas pouvoir parce que là, c'est pas complètement bleu. Donc, eux, ils sont pas prêts. Alors, si on veut planter quelque chose, on a ben, encore des bulbes d'oignons, on va les planter. Voilà, il nous reste 6. Et on va planter ben, les patates qui nous restent. Hein. Ça peut toujours servir. Maintenant, est-ce que je vais avoir le seau? Ça, c'est un autre problème. Non, j'ai plus d'eau. On n'arrosera pas tout de suite. On va se prendre les oranges. Et tu prends derrière, s'il te plaît. Alors, ici on a une orange qui tombe évidemment du côté opposé. Hop. Bon, ici on a une mûre. On va aller voir si notre amie va bien là. Bonjour. Napopo. Non, Napopo, elle a toujours rien à nous dire, Napopo. Bon, on va rigoler. Je ne sais pas si j'ai l'asticot qu'il faut, mais vous savez que je suis nulle avec la pêche. Donc, on va tester. Et on va rigoler. Alors, il n'y a plus de gros poissons, alors je vais attendre que les petits grandissent. Je pense que sur notre île, on va plus pouvoir pêcher. Je suppute, une supputation. Là, on a... Hop. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, nourrir? Désolée, je n'ai pas de nourriture pour toi. D'accord. Dommage. Qu'est-ce qu'il mange le crabe? Poisson sûrement? Non, des coquillages peut-être? Non. Je ne sais pas ce que tu manges. Si tu ne me le dis pas, je ne sais pas. Je ne suis pas une amatrice de crabe à part dans ma propre assiette. Hop. Coquillage. Ici, on peut pêcher. Est-ce qu'il y a des poissons? Oui. Oh là là. Oh là là. Hop. Ah! J'ai réussi. Alléluia. Il va pleuvoir, les enfants. J'ai réussi à attraper un poisson. On va réessayer. C'est là où je suis pas du tout douée. Bah dis donc, aujourd'hui c'est mon jour de chance. Hein. Ok. On a de quoi se faire des petits plats de poisson, peut-être. Ici, on a un tonneau. Bah, le petit crabe, je ne sais pas du tout ce que tu manges, toi. Ben non, et puis il me dit pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ce petit crabe mange.
Je pense que son collègue ne va pas m'en dire plus. Bonjour. Je me mets sur toi au cas où tu veux me croquer. Il a ici, il y avait ses pinces. Voilà, on a un coquillage, on pourra le revendre. Un coquillage encore. Bonjour. Tu m'en dis pas plus. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je ne sais pas. Et c'est mon pote maintenant, j'ai un cœur, il me suit partout. D'accord. Ok, mais copain? Copain, non? Juste ça? Oh là là. Alors attendez. C'est mal barré. Ah, c'est mal barré. C'est très mal barré. J'aurais pas le poisson. J'aurais pas le poisson. Ah, sale bête. Voilà, je m'en doutais. Ça ne pouvait pas marcher à chaque fois. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Un coquillage qu'on pourra revendre là-bas. Là, on a des minerais qu'on pourra, je pense, revendre là-bas. Elle commence à être fatiguée. Pas la faire sprinter là parce que. Hop. Petit coquillage, s'il me laisse le temps de le prendre. Il est gentil le jeu aujourd'hui. Enfin, niveau pêche, hein, je serai jamais au top. On va y aller mollo, de toute façon, on va me mettre au plumard. Donc, pour faire du thé, il me faut des petites herbes. Donc, faut qu'on attende que l'eau revienne pour les cultures, bien qu'on ait ce qu'il faut pour rendre la quête, mais bon. Toi, t'es toujours copain? Mais tu manges quoi en fait? Ouais, on est toujours copain. J'ai toujours un petit cœur. Alors, par contre, avec ton autre pote, là, on n'est pas copain du tout. Il m'aime pas ton copain. Pas pourquoi. Bon, j'essaye de trouver des herbes, je me rappelle plus où elles étaient sur cette île. On va tomber. De toute façon, ils vont nous mettre au lit. Donc, je pense que. Hop, on va commencer à. Voilà. Koa est épuisée. Bah, laissez-moi le temps de la ramener. Si vous voulez bien. Je vais pas sprinter parce que j'arriverai pas à la maison si je sprinte. Les oignons sont toujours pas prêts, hein, là. Et au niveau de l'eau, j'en ai toujours pas. Bon! Eh bien, on va la faire dormir. Et puis, on va en rester là pour cet épisode numéro 3. On aura quand même pas mal avancé. Ce qu'on fera dans le prochain épisode, déjà. On va voir s'il y a de l'eau. C'était pas gagné. Non, il n'y a toujours pas d'eau. On fouinera sur notre île, etc. On peut ramasser. Par contre, cela, là, c'est fait. Donc, on va prendre notre binette. Non, c'est pas ça que je veux faire. On appuie sur E. On aura les oignons. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à planter? Ouais, du coton, on peut planter. Voilà. Donc dès qu'on se baladera le prochain épisode sur l'île, là, sur notre île, on se récupérera des oranges, on se récupérera des mûres, on fera des jus, on essaiera de repêcher, on attendra qu'on ait de l'eau et on retournera sur l'autre île pour ramener à Caleb ce qu'il nous a demandé
Et puis, voir si vous conviennent ici pour la nouvelle binette, ou je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais encore plein de bibis, plein de zouzous. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce jeu, mais avec tous les let's play que j'ai, aïe, 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 c'est compliqué. Sinon, j'avancerai beaucoup plus vite. Mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas avec tous les jeux que je vous présente, et puis ceux qui vont arriver début septembre, et que vous attendez tous apparemment avec impatience. Donc, merci à vous. D'apprécier les contenus que je vous donne. Voilà. Donc, dans le prochain épisode, on fera ça. Et puis, écoutez, plein de bibis, plein de zouzous, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bonne reprise à tout le monde. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!